Ah, sa mère. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 10e épisode sur Tchernobylite. La dernière fois, nous avions tenté de rejoindre et d'aller voir le maître des souriceaux qui nous avait contacté. Anybody there? Hey! À part la radio. Answer the radio for once, you cocksuckers! This is fucking important! Je sais pas me retaper le dialogue avec lui. Don't leave me standing here with my dick in my hand. Who is this? Who is this? Are you retarded? It's your fucking landlord, Scroat. By the way, how are you enjoying your stay, Mr. Kiminyuk? Mikhail, I'm in the middle of something. Glad you like the place. I hope you leave it in the same pristine condition you found it. You got a real bargain, you know. But now we need to talk business. Anton and Olivier around? Anton is... He was killed. Oh my, what a pity. Yeah, he was such a nice guy. Perhaps too fucking nice. Yep, I'd bet my last cigarette that's what got him killed. On va se taper le maître des souriceaux après. What do you want, Mikhail? I need you to return the favor and help me wipe the NAR database. And before you start bitching about it, I know you're not that kind of scientist. I'll walk you through the whole thing. Ouais, accepter sa mission et après on va se taper le maître des souriceaux, je crois. Hein. Pourtant, je l'ai fait, on l'a fait ça la dernière fois, j'ai sauvegardé derrière et je me retape ça. I should use any opportunity I get to hurt NAR. Okay, I'll do it. That's my brave lad. Enter the building in the Duca complex. I'll be in touch. Ah, il y a combien de failles? Ouais, voilà. Mousy, mousy, mouse. Je vous en parlais justement de Tarakan. I know you're there. You cannot hide from me, little mouse. The Rat King is almost upon us. And despite your history with Duca Raider, you decided to help him. I am disappointed. Ouais, nous aussi, on est désappointés d'être morts comme une crotte en venant de voir. Ah, s'énerver, non, ignorer sa folie. Right, whatever. Oh, great and powerful rat catcher. Let us meet in person, Mousy. For real this time. Pripyat Port, look for a red sign painted on a wall. This symbol will protect us from the Rat King. Ok, accepter à contre-cœur, exiger des informations. Je vais remettre la même chose, hein. Starting with how you know her. All will be revealed, Mousy. You know where to find me. Ok, donc ce qui est chiant, c'est quoi? On est allé voir Tarakan, on est mort. On a découvert que, eh bien, ma foi, si on venait à mourir, eh bien, on allait devoir faire attention parce qu'on risque de perdre des items. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai justement mon brûleur anti-Tchernobylite sur moi, vu qu'on en avait refait. Et puis on en avait fait surtout, pas refait, mais fait. Et j'avais rangé tous mes placards. J'avais rangé tous mes placards et a priori c'est à moitié rangé les jeunes. J'avais tout recalé correctement. Et ben a priori, ouais, c'est. Ça s'avère pas être rangé correctement. J'avais repris tous aussi. D'ailleurs, je vais peut-être mettre mon combustible. Je vais peut-être même laisser ça là. Voilà, j'aimerais bien que ce soit. Par contre, ouais, je peux pas. Je peux pas le trier correctement, donc j'ai foutu ça en haut. Et ça, con comme c'est, ça veut pas se clipser. Et venir se stacker directement avec l'autre. La bouffe, je vais la prendre, je vais la foutre de l'autre côté. Le kit de soins aussi. Les plantes, enfin, au pire des cas, ouais, non, là, je veux mettre que les trucs qui sont chimiques et compagnie. Le scrap. Les champis, je vais peut-être les placer de l'autre côté. Ça, je vais le garder avec moi. Le pain, ça peut aller ici, merci bien. Les munitions, je vais les garder. D'ailleurs, je vais peut-être garder celle-là aussi. Et l'alcool, ça va de l'autre côté. Ah, on va tenter de retourner voir le pépère. Je sais pas ce que ça va donner, franchement. Le scrap, je vais... Non, c'est pas ça que je veux, les jeunes, c'est le scrap. Et ça. Donc, ouais, je voulais essayer de redispatcher
Alors, toutes mes munitions, d'ailleurs, ouais, je les avais mis en ligne, mais c'est pas grave, je referai ça plus tard. Le kit de soins, j'en ai un, je vais déposer celui-ci. On va essayer de faire en sorte que ce soit rangé le mieux possible. Si ça veut bien se clipser correctement. Donc, je finis de ranger ça et puis on va repartir en mission, messieurs dames. Ok, messieurs dames, j'ai fini de trier mon petit inventaire et de tout ranger. Médicaments anti-radiation, je vais le garder. Le masque et les filtres aussi, on sait jamais. Là, c'est mes petites mumus. D'ailleurs, je vais peut-être changer ça comme ça. Ce serait pas mal. Ah, bah écoutez, ma foi, ouais, voilà, on va repartir en mission. Je crois qu'en plus, il va falloir quand même que j'aille faire dodo. Je vais peut-être pas pouvoir repartir en mission directe. En plus, I overheard your conversation with Mikhail. Don't tell me you're... Mikhail is a bit... He's sound. No. We only... On j'accélère. Hein. Nah. I think I'm going to... I strong... Thank you. Ah, il suit. I need a minute. What's going on? Something's up. NAR. I managed to pinpoint the location. This could be our ticket. What do you think he could... Passwords, if you're smart. And... You're right. I'm glad you see my... Ah ouais, on a modifié le passé machin et compagnie. D'ailleurs, on avait modifié un événement qui s'est passé avec Olivier concernant le mot de passe qu'on avait désigné. Ah donc là, bah écoutez, ouais, a priori, j'ai pas besoin de refaire dodo et on va se rejouer la même journée que la dernière fois. Sauf que cette fois, il faudrait pas mourir. Donc hacker le serveur du NAR machin et compagnie. Moi, je vais aller ouais, rencontrer Tarakan. On va retenter. Donc là, je vais mettre Olivier. Et pour Tarakan, bah, ça va être nous-mêmes. Et puis bah, on va y aller, hein, commencer la mission. Et on va essayer de se faire le brûleur. Ouais, on va essayer de se faire le. De tester le truc anti-brûleur et de récupérer des ressources et de pas mourir surtout. Tarakan is a curious figure, wouldn't you agree? Ouais. Very Shakespearean with all his mice and rats. Fascinating people can also be very dangerous, my love. J'ai même cette conversation, on a déjà eu. And don't fall into a trap. Pas du moins cet écho. Alors, je sais pas s'il va falloir, ouais, justement, qu'on retourne visiter le resto qu'on vient de voir là. Où on avait bulleté avec notre compagne. Ouais, là, on a vu aussi certains souvenirs passés et à venir, surtout qu'on pouvait modifier. Dans une espèce de couloir ou de chambre temporelle. Je vous invite à aller voir l'épisode si vous l'avez pas vu. Et nous voilà ici paumés, je sais pas où. Ah, numéro. Numéro 4. Merci bien, messieurs, dames. On va se mettre un petit coup de scan direct. Ah, il y aurait déjà des trucs à prendre ici, donc on va y aller. Merci bien. Et puis, il risque d'y avoir re du monde dans le coin. Alors, je veux bien la map. Alors, je veux bien enlever mon pont aussi. Alors, après, ah, ouais, il y a toujours les échos là-bas. Mais il y avait pas mal de monde. Et nous, on doit aller là. Et je crois qu'ils m'en ont rajouté, hein. Donc, on va aller sur celui-ci. Et je me dis que je vais peut-être faire le tour par ici si je peux. Pour éviter les gardes, mais je le sens pas bien du tout, sachant qu'il y a des trucs à cramer ici. Je sais pas s'il y en aurait d'autres ailleurs. Donc, bah écoutez, je vais essayer de m'avancer, de trouver un chemin sans tomber sur les gardes, ce qui serait pas mal en soi. Ok, ouais, il y a la zone de radiation. Je vais pas y retourner. On va essayer de faire le tour ailleurs. Ok, messieurs, je suis au resto. Ah, j'ai peut-être enlevé ça. Ah merde, ça m'a fait flipper. Parler au vagabond. Welcome, welcome. Ah, j'ai chaud, hein. Trading? I have to ask. We're in the middle of nowhere. What are you even doing out here? Out here, everything is in the middle of nowhere, my friend. Sometimes you need to get off the beaten path to find a solid business opportunity. I learned that from Warren Buffett. You've met Warren Buffett? No. I've watched his motivational videos on invisible. YouTube, though. Basically the same thing. Ah, sur YouTube. Ok, d'accord. Il traîne dans le coin depuis un moment. Il sait peut-être quelque chose à propos de Tatiana. Discuter, changer de la nourriture, machin, compagnie. Contre de l'équipement.
Échanger de l'équipement contre de la nourriture. All right. Show me what you've got, Mr. Invisible. Ouais, bah c'est bien ça, c'est bien la main invisible. Ah, donc qui veut quoi? Ah bah là on peut pas, c'est deux filtres de masque à gaz contre une ration de nourriture, machin et tout. Bon, tout ça on peut pas. I've done enough trading for now. Ok, fais voir l'autre maintenant. All right. Show me what you've got, Mr. Invisible Hand. Oh merde, j'ai repris le même. I think I've done enough trading for now. Ah, j'ai repris le même, je pensais que c'était pas celui-là, mais voilà. Sure. Actually, ah, voilà. I'm looking for a few things right now. En vide, j'ai pas que ça à faire, chef. Deux rations de nourriture contre une arme, contre une armure rudimentaire. J'en ai déjà, donc ça va aller. Et obtenir une ration de nourriture contre un masque à gaz. Je suis pas sûr que pour Igor, enfin pour Olivier, faille que je lui file une. Un masque à gaz. Je sais pas s'il en aurait besoin, franchement, vu que je peux lui foutre que deux choses à chaque fois. Donc à la rigueur, il faudrait que je lui mette le masque à gaz et. Une ration. Mais bon, je préfère. Ouais, mais en ma possession. Ah, je vais pas lui filer mon masque à gaz. Ok, on va discuter tout simplement. Looking for someone. Perhaps you've heard her name. Tatiana. Tatiana Amelieva. Ah, on lui a déjà dit non. Work at the power plant. She went missing 30 years ago. I'm sorry, my friend. It's been a while since I've seen a woman. I've been too busy. Busy? With what? With creating a new world of opportunities, my friend. I'm like Gordon Gekko, only smarter. And like Jack Ma, only more hardworking. I'm gonna build my commercial empire on the ashes of Chernobyl in no time. Good luck. Ok, partir. Good luck building your fortune, Mr. Invisible Hand. Ouais. Thanks. But I'll make my own luck. Allez, vite, libère-moi. Il y aura un autre point juste derrière. Je crois avoir vu un truc là ramasser. Ah, donc le point. Il serait juste là. Non. Il serait par là. Il serait par là. Je vois pas ce que c'est. Il se trouve, il va falloir que je refoute mon masque. Messieurs, dames. Oh, mais je suis en train de passer devant là. Ils se foutent de moi ou quoi? Ce serait juste là. Là, il n'y a plus la musique. Putain, mais jeune, je vais beaucoup trop loin, quoi. Là, ça se trouve, c'est peut-être un peu bas pour aller chercher. Ouais, je suis encore loin. Alors, est-ce que ce serait le resto ou la tour, là? 12 mètres. Ce serait genre là. Ce serait genre devant moi, ici. Ah, ça se trouve, c'est peut-être en dessous, hein. Je vais aller voir en dessous. Stay in the shadows. Ah, voilà. Become invisible. None of you are safe. Ah, il y a une poupée. Il y a quelque chose derrière moi, non? Ah, je peux peut-être enlever mon masque. Voilà, les yeux tout verts. Ok, et je fais quoi moi maintenant? Bon, là-bas, il y aura un truc à ramasser. Je vais vite fait y aller. Je sais pas si je vais pouvoir passer par là. Ouais, je peux pas sauter. Faut que je monte en haut. Et là, je suis en train de m'irradier. Je vais repartir par ici. Et la poupée, elle est toujours là. Toujours là, ta poupée. Bon, c'est un peu spaceo, votre truc, là. Ok. Ok, les jeunes. Ah, je vais repartir en exploration. Ah, ça crépite là. Ah, donc là, il y a le vagabond. Bah, je vais aller vers ce point là. Hein. On va se dépêcher. Et ce serait. Faut que j'essaie de traverser sur ma gauche là. Ah, donc, ma foi, c'est parti.
Ah, attendez. Attends, je me tape des poupées partout là. Ah, les cages, je peux pas l'ouvrir. Ah, ça promet, messieurs, dames. En plus, je cours comme un ouf, mais se trouve, il y a des soldats dans le coin. Je suis un peu foufou, les jeunes. Hein. Ah, je suis un peu foufou, mais mon point. Ah, mon point serait peut-être pas très loin. Ouais, il est juste là. Ah, ouais, bah en fait, c'est la poupée que je viens de me mater. Ah, ok. Alors, je vais aller voir ce qu'il y a ramassé tout droit. Et puis, on va voir s'il n'y a pas un truc de Tchernobylite à choper. Ah, là, il va me falloir des. De quoi faire. Ok. Putain, ça, à chaque fois, ça me fait flipper ça. On a repris des points. Faudra aller voir notre collègue. Pour qu'il nous aide à. Eh ben, à nous améliorer, tout simplement. Donc, je vais mettre un petit point ici. Et puis, on va foncer le voir. Je vais essayer de ramasser. Ne serait-ce que quelques ressources. Je sais pas, mais là il va falloir du lockpit pour y aller. Enfin, ça sert à rien que j'y aille. Il va me falloir du lockpit, j'y vais foncer tout droit et on va se retrouver chez Tarakan. Enfin, du moins si on arrive en vie. Ok les murs, j'ai été un peu foufinou et j'ai couru tout droit. J'étais en zone radioactive, je suis vite parti et je me suis farci un garde. J'espère que ça va le faire. Je me suis mis à courir pour fuir. J'espère qu'il va pas me repérer. Là, je suis planqué pour le moment. Ouais, je suis cherché. On va attendre de plus être cherché. Je vais rester planqué le long de mon petit muret, là, ou dans mes buissons. On va voir s'il passe en face. Je suis planqué dans. Ah là! Ah non, c'est une feuille. Ok. J'ai le chrono du temps que je suis recherché. Ah putain, il m'a fait peur la feuille là. Je vais arrêter de bouger dans tous les sens là. Parce que je vais me faire flipper pour rien. Et je vais me faire flipper tout seul. Ah, sachant que moi, faut que. Déplace-toi la map, s'il te plaît. Ouais, faut que je cavale sur ma droite là. Bon, je vais quand même tenter de m'avancer. Hein. Il reste 5 secondes. Oula, oula, oula. Putain, il est où? Ah, il est là-bas. Je sais pas s'il va se planter par ici. Sinon je le bute hein. Bah dans le dos bien sûr. Là. Il est là-bas. Dites pas qu'il y en a un deuxième. Ah ils sont deux. Ah ils sont deux messieurs dames. Ok. J'aimerais bien remettre un petit coup de scan aussi. Bon bah tant pis pour les ressources qu'il y avait potentiellement là-bas. Moi je vais courir par ici. Ok, les murs dans ce bâtiment. Il y aurait une source, un bloc de Tchernobylite à faire péter. On va tenter d'y aller. Mais j'espère qu'il n'y a pas les autres grosses bêtes là. Donc on va tenter. Ouais, c'est juste ça, vous déconnez ou quoi? Super ton animation. Ah, j'espère que je vais pas me faire bouffer le cul en venant là. Il y aura un autre bloc de Tchernobylite à. À faire fondre.
Putain, puis on voit pas grand chose avec ma loupiote là. Ok, prendre. Prendre. Je peux venir choper d'autres trucs ici. Voilà, merci bien. Et a priori, ce serait peut-être tout aussi, là encore. Produits chimiques, et là, c'est quoi? Recycleur, microprocesseur. Qu'est-ce que je peux recycler, les jeunes? Ah, je sais pas du tout, hein. Peut-être pas recycler des munitions, quand même. Et je suis pas sûr de pouvoir recycler... Ouais, je vais recycler ça. Ça se trouve, je peux peut-être même pas. Parce que c'est déjà du débris. Ah, je peux pas le mettre. Ah, ça, on peut. Ouais, ok, d'accord. Donc là, ça me filerait de l'essence et des débris. Produits chimiques, machin. Ça, juste des plantes. Ah, juste des plantes, le soin. T'es sérieux? Donc là, en fait, vu que c'est déjà des ressources déjà décomposées, en fait... Là, je récupère un champignon et tout. Ok. Ok, donc je peux venir recycler ici si jamais... Ouais, bon, ok, j'ai plus de piles. J'ai compris. Comme ça, je sors bien dans le noir. Bah, je vais attendre près de la source lumineuse de recharger ma petite batterie, hein. Ok. 4. Donc, normalement, là, j'ai tout ramassé. Et donc, je peux partir. Bah écoutez, rendez-vous chez Tarakan. Si je trouve la sortie, bien sûr. Ah oh merde, je suis paumé, les jeunes. Ah non, c'est bon, j'ai retrouvé la sortie, messieurs dames. Ah, c'était pas de tourpeau, hein. Tarakan qui parle. Vous déconnez ou quoi? Il était censé être en haut. Et il est là. Attendez, ça se trouve, je vais me retaper les saloperies là, ça se trouve. Je préfère faire gaffe, hein. Ouais, ça on l'avait déjà lu, donc je m'en fous un peu. Mais là, faut que je trouve un moyen de... le rejoindre. Ça craint un peu du boudin, messieurs, dames. Parce que je vois absolument fichtre rien. Et j'ai peur des grosses bestioles de la dernière fois, là. Bah, qui m'ont tué en plus, hein. Elles m'ont tué. Ah putain, merde. Non mais je peux pas t'ouvrir, man. Et puis il n'y a pas de passage là, à moins que je passe ici. Là il y a la note que je viens de lire. À moins de monter encore par là. Mais là il y a de la Tchernobylite. Et on était déjà venu là. Non, ça me fait flipper, les jeunes. Hein. Et là, c'était la pièce d'à côté. Mais je peux pas faire plus, là. Je me gourde dans mes touches. Là, il y aura un meuble à ouvrir. Mais je vois pas par où passer pour y accéder. Hein. Franchement, puis on voit absolument fichtre rien. Je peux monter encore, mais... Attendez, il y a toujours le point, ouais. Obstacle, crochet nécessaire pour traverser. Rencontre avec Tarakan. Putain, si je suis obligé d'avoir un crochet pour rencontrer Tarakan, les jeunes, ce serait dommage que j'ai pas trouvé une table de craft dans ce cas-là, parce que c'est plus ça qui
Il m'aurait fallu les Genois, mais je t'ai entendu là avec tes overrears là, mais je peux rien faire pour toi pour le moment, Mano. Et je sais pas si je dois encore descendre ou si je dois monter. Bon, là, il y a le crochet. Ok, d'accord. Donc, c'est peut-être pas la même chose. Faut peut-être que j'arrive à me faufiler par là. Ah! Pardon. C'est sa tête qui m'a fait peur. Part of me still worries you could be a secret servant of the Rat King after that stunt you pulled. Who is this Rat King? A smart question. One that I've been trying to answer myself for years. The Rat King will usher in the end of days. He and his army of rodents. They're a plague of biblical proportions. The end of all. Oh, I don't have time for this. Please get to the point, if there is one. You will make time once you see the truth. But never mind that for now. You have questions? Ask. Ok. Je doute qu'il y ait des informations sur ma fiancée, mais ça ne coûte rien d'essayer. Ben, l'interroger à propos du test, l'interroger à propos de lui-même. À propos de lui-même. I'm the keeper of the memories of those devoured by the Rat King. You could say I'm a rat catcher. But really, I'm more of an observer. Ouais. And NAR needs to be observed very closely. Quiet, Mousy. Ok. They're here. Ça se trouve. Oh shit! Rat King got the better of us this time. Ah, they mustn't get their filthy paws on my archives. Oh, you never attends, expected the second test to come so fast, eh? This sorry, Mousy. Écoutez, Tarakan et brûler les documents, ignorer Tarakan et examiner les documents. Ouais, le truc, c'est que ça se trouve, est-ce que si j'étais allé là-bas, il m'aurait fait revenir ensuite ici, et au final, je l'ai trouvé directement sans passer par son chemin. Je dois enquêter sur tous les indices concernant Tatiana. Bah ouais, hein, je vais ignorer Tarakan et examiner les documents. Ok. Splinter, the KGB operator's nickname. I'll probably never know who he really was. Ouais. You think you're playing a game, little ratling? You think anyone can stroll into the zone and do what he pleases? The Rat King approaches, and you are a tool of his incoming reign of terror, whether you realize it or not. Here comes NAR to join the Rat Party. I think I shall leave you all to burn together. Ouais. A heap of flaming, squirming rodents. I wish you had chosen differently. Ah, ils m'ont verrouillé, je peux pas. Putain, l'enfoiré, il est en train de me cramer. Ah putain. Ah, l'enfoiros. Ah putain, il faut que je trouve la sortie là-dedans. Je vais finir par crever, moi. Putain, ils sont sérieux ou quoi? Bon, là, j'ai pas l'air de brûler, mais. Je la trouve comment, la sortie là? Ah ouais, puis je voulais relire les documents. Ah, me dites pas que je suis mort et qu'il faut que... Attends, ça va me gonfler, sérieusement. Igor, it's not the end. I won't let it end like this. Go. Die. Fade. Portal. Help. Die. Igor. Ça va me gonfler cette histoire. Hein. Si à chaque fois c'est ça, putain, c'était obligé que j'allais cramer. Là, la pièce, elle est complètement flinguée. Ah, parce qu'en plus j'ai perdu mon AK, mais vous foutez de moi ou quoi? Vas-y, moi je coupe direct. Hein. Ok, mur, nous revoici, nous revoilà. Oh, j'ai rien perdu. Par contre, là, je suis en train de prendre tarot dans ta zone là. Je sais pas où est-ce qu'ils m'ont foutu exactement. Je vais mettre un petit coup de scan. Et là, il y avait un garde dans le coin, mais je vois absolument rien du tout avec mon masque. Faut vraiment que je me mette un raccourci pour le mettre et l'enlever. Ah, le truc, c'est que si je me lève... Ah, là-bas. Ok.
Et il y a un garde qui m'observe. Ok. Je vais me planquer ici. Ah ouais, écoutez, messieurs, dames. Ça m'a un petit peu gonflé, cette histoire. Sachant que s'il est planqué en face, au final, je vais peut-être mettre la map. Mais que je me fais cramer comme il l'a fait. D'ailleurs, je sais pas si j'ai ma... Ouais, si, j'ai toujours ma Tchernobylite. Donc, à la rigueur, je vais retourner dans ma petite zone toute pourrie pour aller me faire brûler tout ça. Et puis, bah écoutez, ouais, on retournera le voir une prochaine fois, mais... Et je re-sauvegarderai juste avant, ici. Comme ça, si ça me plaît pas et qu'il me crame, parce que, bah, déjà, j'arrive pas à sortir, à retrouver mon chemin. Déjà, j'ai pas beaucoup de vie, hein. Ouais, j'ai pas toute ma vie. Donc, si en plus, je dois finir par crever... À cause de ses bêtises, parce que les choix que j'ai faits, ça lui convient pas, ou machin, et je l'ai pas écouté. Sachant qu'en plus, j'ai même pas eu le temps de traduire les documents. Et je voulais les traduire pour les lire. Et je me suis gouré, j'ai fermé au lieu de d'appuyer sur la bonne touche pour lire. Donc ça, ouais, on l'avait reconnu. Donc on retentera d'aller le voir la prochaine fois. Je vais finir de ramasser tout ce qu'il y a à looter dans le coin si j'ai rien oublié. Au pire des cas, je vais mettre un petit coup de scan pour voir. Et il me semble que j'ai peut-être rien oublié du tout. Je vais quand même rechecker. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas justement louper notre prochaine rencontre avec Tarakan, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant. Je vais rester ici tant que j'ai un petit peu de lumière. Et puis je vais ressortir d'ici et me planquer juste devant l'entrée. Comme ça, eh ben, on repartira directement pour retourner à sa rencontre la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et survivez bien. Et normalement, la sortie, elle est quelque part par là. À chaque fois, je me gourre de chemin. Messieurs, dames. C'est pas ici. Je vais essayer de... Comment je peux être observé? Par je sais pas quoi ou je sais pas qui. Faudra m'expliquer. Faudra m'expliquer, messieurs, dames, comment je peux être observé ici, là. Et la sortie, c'est même pas par là. Attendez, je vais re-être paumé, c'est ça que vous me dites. Là, il y a la machine à la noix. Là, il y a une... y a une armoire. Et il n'y a pas d'autre chemin. Là, il y a le trou que j'ai vu. Là, il y a l'impasse. Ah, c'est par ici. Normalement, c'est là. Eh ben, même pas les jeunes. Je suis encore paumé. Ah, je suis paumé. Pas armé. Enfin, armé, mais pas vraiment dangereux. Et ouais, c'est ce mur. À chaque fois, je me fais avoir. Pourtant, je suis sorti par ici. Pim, bam, boum, là. Ah ouais, c'est juste ici en fait, je me suis fait avoir. J'ai retrouvé ma route. Bon bah écoutez, cette fois c'est la bonne, je suis pas trop perdu. Par contre, je suis remonté trop parce que c'est par ici. Je vais éteindre ça maintenant qu'on est redehors. Et puis bah ouais, je vais quand même faire gaffe à ma vie. Je vais aller dans le bâtiment en face. Quoique, la prochaine fois, ouais, attendez les jeunes. Peut-être remettre la map, ce serait bien. On ira voir ici comment ça se passe par rapport à la rencontre qu'on a eue ici, si c'est la même ou si justement ils vont nous envoyer dans ce bâtiment au final. Donc je vais aller me planquer dans un coin. Dans un coin où je ne serai pas trop en danger. Je vais me foutre là. Je vous dis à la prochaine, cette fois c'est la bonne. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. Excellent! Oh donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.